les stades ont entendu les résultats. Et depuis, ils vont de tour en tour. La conception dit que ça ne sert à rien de tenir les assemblées, que c'est dans la rue que ça va se régler. Donc, le matin, on pensait que tout ça était un peu calmé. Je suis venu trouver cette situation, demander aux jeunes de se calmer, leur demander de remonter donc au niveau des sections et de nous ramener certains comportements pour compléter notre dossier. Et à partir de là, en tant que président du parti, je rencontrerai les jeunes pour donner une nouvelle orientation, les appeler en attendant. Je ne peux que les appeler au calme. La situation telle qu'elle est, ça ne se réglera pas comme ça. Nous trouverons les solutions et bonnes solutions. Comprenez-vous leur frustration, monsieur le président? Bien sûr que je comprends leur frustration. Qui ne comprendrait pas leur frustration? Comprenons leur frustration. Nous comprenons la frustration de nos jeunes, de tous les fiefs de l'UFR, et particulièrement des trois communes de Conakry, qui nous avons l'habitude de gagner les élections. Donc, ça, c'est compréhensible. Maintenant, il s'agit de savoir comment tout ça va se gérer. On demande une restructuration du bureau exécutif. Qu'est-ce que vous avez pour nous dire? Écoutez, je ne dirais pas non, parce que les gens estiment qu'on aurait dû être plus véhément et plus agressif, et qu'on aurait dû donner des instructions de sortie depuis longtemps. Voilà, il y a toutes ces choses-là, en parlant. Vous-même, vous dites que vous allez revoir le bureau politique national. Est-ce que vous êtes parvenu à savoir désormais que l'UFR, la machine de l'UFR est en panne et qu'il faut recycler? Parce que vous appelez la machine. Le bureau exécutif. Le bureau exécutif. Ce n'est pas le bureau exécutif qui a organisé les élections dans ces conditions-là. Et que les jeunes reprochent qu'ils souhaitaient, au lieu de la pire, de se retirer, comme nous l'avons fait le dimanche à 1h du matin, quand il y a eu plein de coups de feu ici, comme nous l'avons fait quand les femmes sont sorties à Fédéric Corbeau. Et ils souhaitaient qu'on leur dise de continuer plutôt que d'arrêter. Est-ce que c'est vous voir ou c'est l'UFR à rejoindre la ligne politique? Est-ce que vous pouvez venir à aller dans la rue? Écoutez, pour le moment, là, on n'en est pas là. Mais vous avez vu les jeunes. Certains d'entre eux dénoncent un rôle nuisant de l'administration, mais aussi de votre partenaire, le RPG, dans le faible score obtenu par l'UFR. Est-ce que dans ces conditions... Tout ça n'est pas tout à fait faux. Pourquoi je dis que le parti va pouvoir discuter de ces questions-là avec la base? Parce que c'est là où les décisions vont se prendre. En attendant, ils ont retourné à la base, calmez-vous, c'est une sacrée bagaille. On ne peut pas régler un problème de cette ambiance-là. Le problème, c'est que depuis hier soir, on fait le tour des quartiers pour dire qu'il n'y a pas d'assemblée, il faut qu'on aille dehors et qu'on doit nous donner l'autorisation de présenter cela. Pour le moment, je ne vous donne pas une telle autorisation. Nous continuons de discuter, nous nous retrouverons pour parler de la Nous nous retrouverons pour évaluer la collaboration qu'on a eue pendant ce dernier. Et là, c'est le dernier dialogue, dit que vous êtes en contact. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous irez en alliance avec le RPG s'il le faut? Ça fait trop de questions en même temps. Être en contact avec celui, oui, je suis en contact avec celui, je suis en contact avec Martin, le patron de l'UPD, je suis également en contact avec Faya, le patron du BL, ainsi de suite. Avec Diawara du PTS, avec le secrétaire général du RPG, le président Satané du président du RPG. Êtes-vous prêt à aller en alliance avec le RPG? Je suis prêt à sauver la situation de notre parti avec un cadre électoral qui est meilleur que les gros réclames. Et nous allons tous travailler à cela et je vous remercie. Merci. Merci.